L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Certains sont prêts à tout pour s'y rendre. C'est ailleurs aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Eldorado occidental attire depuis quelques années des milliers de jeunes Africains. Une grande partie de ces voyageurs clandestins marque une escale définitive au fond de la Méditerranée. Cette triste réalité fait chaque jour la une des médias, mais la tentation demeure. Pourquoi Des solutions ont été mises en œuvre sans grand succès. Agitons vraiment sur les causes Misère, conflit, désespoir, utopie Affaires de femmes se proposent d'analyser les véritables causes de la migration clandestine. Nous parlerons en seconde partie de cette émission des attitudes à tenir face à la perte d'un être cher. Mais avant, larguons tristement les amarres avec ces images sans commentaire d'un naufrage de migrants en pleine mer. Migration clandestine, agir sur les causes. Elles sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Cynthia Ekra, vous êtes juriste, directrice du centre d'accueil des migrants, une structure sous tutelle du ministère ivoirien de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur. Merci, merci d'être avec nous. Merci. Et Mathieu, vous êtes une migrante de retour en terre natale oui. et vous êtes aussi coiffeuse. Oui, c'est ça. Racontez-nous un peu brièvement votre histoire. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce, ce voyage un peu fou Qu'est-ce qui vous a décidé à partir Bon, ma motivation, c'était de, de donner vie à, à la formation de mannequinat que j'ai faite. Par contre, ici, je n'avais pas de chance de pouvoir m'exprimer. Donc, je me suis dit, étant là-bas, moi, je pourrais avoir une chance de voler dans le métier. Donc, ça a été ça, ma motivation. Une recherche professionnelle. Ah oui. Et comment ça s'est passé Vous êtes parti comment Racontez-nous brièvement. Vous avez fait la, le départ par... Les... Je suis parti par le désert. D'abord, je suis passé par le Ghana, ensuite Bénin, Togo, le Niger qui fait euh, frontière à l'Algérie. Une fois en Algérie, d'abord, j'ai fait un an six mois pour pouvoir me préparer pour la traversée. Euh... Cynthia, est-ce que la misère peut être considérée comme cause quand on sait que c'est coûteux de faire ces déplacements-là, ces voyages sont finalement financièrement importants ben, La misère, bien sûr, mais aujourd'hui, euh, j'en doute très fort, parce que le voyage coûte en moyenne 2 millions, 2 millions de francs CFA. CFA. Et le coût, 2 millions euh, de manière générale, mais ce qui est qu y a un fort euh, intéressant, c'est que il est, le montant pour les femmes est plus élevé que celui des hommes, selon ah. le rapport de l'OIM, oui. Les femmes, euh, les femmes payent plus que les hommes. Combien en moyenne, cette différence-là euh, Une combien, différence de 800 000, 800-500 000. 000 francs. Et pour... que, bon, les passeurs supposent que les femmes ont plus euh, les moyens pour trouver rapidement l'argent, puisque dans les, dans les différents rapports, il a été euh, prouvé que les femmes, de manière générale, sont elles-mêmes à l'origine de, de cet argent-là pour financer le voyage. Ce sont elles-mêmes qui se battent pour récolter les fonds, alors que les hommes, ils sont beaucoup aidés par leurs parents, par leurs amis. C'est une autre dynamique. Oui, voilà. Intéressant. Emma, comment vous vous êtes organisée au niveau de votre départ? Comment vous avez rassemblé justement cet argent pour pouvoir faire ce départ? Bon, j'ai fallu travailler. Il m'a fallu... En quatre mois, j'ai pu économiser une somme de 1350 euros pour pouvoir effectuer le voyage. Parce que je me suis privée de beaucoup de choses. Il ne fallait pas perdre le temps, puisque Ça le voyage. 800 000 francs CFA. fallait. Oui, okay. Parce qu'il fallait. Le voyage aussi dépend de la période. En été, c'est la bonne période de pouvoir partir. Donc, il me fallait me dépêcher pour pouvoir réunir la zone et puis partir en même temps au bon moment. Donc en Finalement, en vous avez réuni mois, combien en... mais 350 euros. Vous avez ce montant-là Oui. C'est ce que vous avez demandé Non, mais je me suis préparée en conséquence. Comment ça fonctionnait justement avec les passeurs, concrètement Vous leur donnez l'argent, ils encaissent le tout. Racontez-moi un peu cette, avant, euh, cette partie. Avant, avant le convoi. Il y a transactions ou pas avant le convoi, il y a une liste. Chacun paye ce qu'on a demandé. Après avoir récupéré l'argent maintenant. Vous partez dans le convoi, on vous emmène d'une ville à l'autre, ensuite au sud de suite, et puis arrivez maintenant à la dernière ville Deb qui relie l'Algérie à la Libye. Maintenant, on vous confie maintenant au Libyen. C'est-à-dire, à partir de là, tu n'as plus de contrat avec le passeur. C'est-à-dire, tu payes ton voyage, tu peux arriver à une destination où le Libyen va te dire, la somme dont tu as payé, c'est pas, pas avec moi, ça n'a rien à voir, donc tu dois repayer. Vous avez des réserves, vous êtes préparé à ça pour repayer bon, C'est à chaque a... ville ou c'est chaque passeur qui vous fait. Quand tu arrives à un certain niveau, ce qui te dit, tu es obligé de faire. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu es obligé de lui, de lui dire peut-être, je vais mettre mon téléphone, je vais mettre mon téléphone en garantie. Ou soit arrivé là-bas, je vais contacter la famille pour pouvoir m'envoyer de l'argent. Mais tu trouves forcément un moyen d'entendre de, pour qu'il puisse te faire avancer. Cela, si tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de ils il risque de te laisser dans le désert. Il n'y rien à perdre. Mon Dieu. Cynthia, le chômage, le sentiment d'inutilité, euh, l'exclusion font partie des motivations évoquées. Est-ce que ce sont aussi ces retours que vous avez de la part des migrants clandestins euh, De manière générale, oui, comme je le disais tantôt, quant à la, à la misère en question. Euh, bien avant de répondre à votre question, mm -hmm. je voudrais un peu revenir bien sur euh, cet aspect du réseau. Nous avons travaillé depuis de, depuis 2014. Nous travaillons avec Interpol, dont il y a avec la cellule chargée du trafic d'êtres humains. Et grâce à leur rapport, nous avons découvert qu'en fait, c'était une organisation assez assez euh, structurée. bien bien structurée. Mm -hmm. Merci, bien structurée. Et dont à la tête, il y a l'organisation elle-même qui est une petite mafia, qui est maintenant une grande mafia, si on peut le dire. Et en bas, il y a d'abord les rabatteurs. Les rabatteurs, ce sont ces personnes qui vont vers ces jeunes dans les quartiers pour déjà leur donner l'information que oui, il y a une possibilité de pouvoir aller en Europe. Et après ça, il y a les guides. Les guides, ce sont ces personnes après qui vous aident à aller rencontrer les personnes qui vont vous aider à voyager, c'est-à-dire les transporteurs. Et après les transporteurs, il y a les logeurs. Les logeurs, ce sont les différentes personnes euh, qui, à chaque étape du voyage, comme on le dit, soit en Algérie, en, en, en Libye, avant d'arriver en Libye, il y a des étapes, il y a des endroits où quand même vous passez euh, des séjours momentanés avant de pouvoir prendre la pirogue. Et après cela, il y a les ravitailleurs. Il faut se nourrir. Et quand tu n'as pas assez d'argent, tu es obligé encore de donner de l'argent supplémentaire parce que tu as payé le billet du voyage, si on peut dire, sans guillemets. Mais il y a des, des imprévus. Il faut donner de l'argent aux ravitailleurs, il faut avoir de l'eau, surtout si vous êtes en plein désert. Et après les ravitailleurs, il y a les fabricants de bacs. Et il y a des gens, par contre, qui n'ont pas les chances, qui sont eux-mêmes, des migrants, qui sont eux-mêmes obligés de venir fabriquer les bacs. On a eu ces cas-là au Maroc. On a obligé les, des jeunes migrants, des femmes comme des garçons, hein, à venir fabriquer les bacs, même avec les, les enfants. Autre moyen de transport. Oui, oui. Et après les fabricants de bikes, maintenant, on arrive au thème général que tout le monde connaît, les passeurs. Les passeurs maintenant, qui vous permettent de traverser, d'aller. Parce qu'on a l'habitude de faire la gamme. Depuis le quartier, on appelle tout le monde le passeur. Alors, Mais c'est -ce tout, tout, tout un serait... réseau très tout structuré. Réseau. Il faut beaucoup de, f... de courage à une femme, justement, pour prendre une telle décision. Euh, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées euh, durant le voyage Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées Pour bas j'ai failli. Par la grâce de Dieu, j'ai failli, failli être violé. J'ai failli être violé. À quelle frontière ou à quelle zone non, Juste après la ville de Debdeb, -Deb, la dernière ville de l'Algérie qui, qui lie le désert de la Libye à l'Algérie. Par qui Et comment vous Par avez le... échappé pourquoi Par le chauffeur. Parce en tant normal, nous nous voyageons dans les, dans les pick-up genre comme les, les bâchés, On vous met à l'arrière on met une bâche au-dessus. Parce Vous caché. On... Oui. Vous voyagez de jour comme de nuit Non, pas. Bon, le, le, plus... le voyage se fait souvent en nuit, que les nuits. Parce qu'ils se disent il ne faudrait pas que la police nous arrête. Si la police nous prend, ils vont mettre la main sur nous. Mm -hmm. Bon, pour toi qui as déjà payé une grande somme, tu, tu n'as pas droit à l'heureux. dont on te mène à la malle arrière on te couvre avec une bâche en plein désert, en pleine nuit. Arriver à peut-être une destination, vous faites descendre. Et là, votre chauffeur Le chauffeur, il descend. Il fait descendre tous les passagers. Il met les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. Il commence d'abord à fouiller les hommes. Après, il commence à fouiller les femmes. C'est comme ça que le chauffeur, on avait deux chauffeurs. Le chauffeur principal, il a mis la main sur moi. Devant tout le monde Oui, devant tout le monde. Parce que là-bas, tu n'as pas droit à la parole, puisqu'il est armé. Et puis avant le voyage, il a les, il a les trucs, il fume. Je ne sais pas si c'est la cigarette ou quoi. C'est qu'il n'est -ce, pas en lui-même. Donc, il, il a mis la main sur moi. Il m'a dit qu'il voulait abuser de moi. Donc, j'ai commencé à plaider, pleurer. Non, je suis enceinte. D'abord, en entrant en Libye, j'étais enceinte de deux semaines. Donc, j'ai commencé à plaider. Il m'a dit non. Bon, lui, il parle l'arabe de la Libye et puis l'Algérie, c'est pas pareil. Avec quelques mots anglais que j'arrivais un peu à capter. Je lui ai dit, non, je suis enceinte. Il m'a dit, non, je ne ressens pas une forme enceinte. Bon, j'ai plaidé comme je peux. Et, et là, tout le monde vous regarde et personne ne peut rien tout faire. Tout le monde parce nous regardait, soir, mais... oui. Et il a braqué l'âme sur moi. Soit je me laisse faire ou il me tue. J'ai commencé à pleurer comme ça. J'ai commencé à lui dire... À cause de Dieu, je suis une femme, je suis enceinte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Avec les larmes chaudes. Après, il m'a prise, il m'a ramenée à un autre carrefour qui était loin des autres passagers. J'étais seule avec lui. Il a chambré l'âme. Il a mis ça sur mon cou. Il m'a dit Soit tu te laisses faire ou je te tue. Je Bon, je préfère mourir parce que je suis enceinte. Je préfère mourir. Donc si tu sais que tu vas me tuer, ça va te soulager. Il faut le faire. » Après, il s'est retiré de moi. Il a baissé l'âme. Il m'a dit « Bon, allons-y. » Et c'est comme ça je suis retournée à la voiture avec les autres passagers. Et après, ils nous ont emmenés encore à un autre carrefour. C'est-à-dire la marche a fait au moins 15 à 30 minutes. Après, il y a un autre chauffeur qui va venir vous récupérer. Parce que là-bas, ils disent y a les corridors, chacun ne doit pas dépasser sa limite. La migration clandestine vous interpelle, vous choque. Vous pouvez en débattre sur notre page Facebook avec le hashtag « affaire de femmes »,« affaire chiffre 2 »,« femmes », pour justement avoir vos commentaires et vos réactions. Il y a de l'insouciance, de l'inconscience même quelque part, les parents qui envoient leurs enfants faire la traversée, vous l'avez dit tout à l'heure, du désert dans la Méditerranée et ils rencontrent un danger incroyable. Emma, que vivent ces enfants Vous les avez vus dans votre traversée Oui. J'ai vu des enfants de moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Des nourrissons. Il y a des mineurs, de, des enfants de 15 à 16 ans qui sont partis d'eux-mêmes. Qui sont partis d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Ouais qui n'ont pas été part. soutenus par la famille, qui sont partis d'eux-mêmes. J'ai eu le témoignage d'un petit garçon de 17 ans qui disait que ses amis avec qui il était au quartier sont passés par la route. Donc, il a dû travailler pour économiser, pour aller sans informer sa famille. Euh, ce mirage économique d'Europe, de est-ce que ce n'est pas finalement l'élément déclencheur chez nos jeunes Bien sûr que oui, surtout qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il est plus facile de véhiculer ce genre de messages. Nous avons même des jeunes qui sont dans les centres d'accueil, qui prennent des selfies parce qu'ils ont la connexion gratuite en Italie ou en Espagne dans les réseaux, qui sont dans des jardins, mais qui prennent de très belles photos, qui ont le temps de manipuler en mettant d'autres images, faisant croire à leurs amis. qu'ils si sont, Voilà. Et tout ça, ça marche. Parce que le, le type, en guillemets, pour parler ainsi avec qui tu étais dans le quartier, qui, malgré tout ce qu'on dit dans les médias, on parle de mort, de noyade et tout ça, qui, malgré ça, arrive et qui t'envoie une photo, qui crée une page Facebook, qui a le temps de créer une page Facebook, qui a le temps de prendre un selfie, tu te dis, mais à la longue, ce que les gens racontent, c'est pour nous dissuader de partir. Ouais. Dans l'Eldorado, ça existe bien. Et ça, c'est un véritable problème, cette mauvaise information qui passe. Ouais, et c'est vraiment va. très difficile à... À empêcher, à aussi, ouais. à empêcher euh, cette mauvaise publication. Emma, qu'est-ce qui vous a décidé de revenir au pays Vraiment là-bas, c'était pire que l'enfer. C'était pire que l'enfer. C'était pire que l'enfer. Voir les cadavres. D'abord, étant en cellule, avec le ventre, on me on me chaque jour. Vous étiez en cellule dans quel pays Où En Libye. En Libye oui. Ou à Tripoli tajoura. OK. là-bas, on te tabassait. Pour de rien. Il savait que vous étiez en service. Oui, bien sûr. Il vous frappait. C'était visé. Il frappait. Parce que quand il rentre dans la salle, c'est une grande salle. Quand il rentre dans la cellule, il y a le bruit. Donc la première personne qu'il trouve, là, il te met sa colère et puis ça passe. C'est comme ça, chaque fois, on me tabassait. Mais quand la, les médecins viennent on choisissait les personnes qui devaient sortir pour aller en visite. Donc, quand tu, veux, quand tu veux un peu forcer ou bien tu veux expliquer ton problème, parce que le problème de l'arabe, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Non, c'est que les neuf plus, quand il te parle que tu n'arrives pas à saisir ce qu'il veut te dire, du coup, ça le met en colère et puis bon, il, fait, la fait, ce il... Parle. Voilà, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous allez retenter un jour l'aventure, Emma oui, mais par la voie légale. Oui, mais par la voie légale. Oui. Oui. Vous pouvez réagir, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Nous parlons de migration clandestine. Le hashtag pour pouvoir échanger avec nous hashtag affaire de femmes, affaire chiffre 2, femmes. C'est l'heure de la chronique. Notre chroniqueuse a des nouvelles pour nous. Princesse, comme tu aimes nous afférer, affaire nous, t'as un Congo ça pour nous. Et tu connais ça, tu vas encore casser les sucres sur le dos de quelqu'un. Pourquoi tu penses toujours ça de moi hum. Bon, ma cousine, tu te rappelles Félicité La petite impertinente, là. Oui. Oui ouais, C'est la qui tu faisais de l'œil à un moment, là. Mais non. Si. Bref, c'est pas l'histoire. Je reviens de l'aéroport. Je, aller... je suis partie chercher Félicité. Mm -hmm. Figure-toi que Félicité s'est laissée convaincre par une autre de nos cousines d'aller en France. Tu te rends compte En France. Ouais, je vois. En pleine crise économique se chercher dans un pays qui se cherche. <laughs> la cousine lui a dit viens te débrouiller avec moi ici Bra... au lieu de rester ici à Brazza. Mm -hmm. Donc ben tu vois elle pouvait gagner sa vie un peu mieux là-bas et puis bon. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Franchement je ne sais pas comment Félicité s'est retrouvée en France. Je l'ai appelée un moment on sait qu'elle est partie et puis plus de nouvelles. Tu l'as appelée aussi non Il me semble... Mais non je l'ai pas. Ah, tu as plus son numéro Non. C'est pas grave. C'est en allant <laughs> chercher la... C'est pas drôle, te... c'est en allant la chercher. Je te raconte un truc très sérieux. Mm -hmm. Qu'en fait, là, elle me raconte sa vie de clan d'eau. Clan Une clandestine. Voilà, madame. Hum. Déjà, elle arrive en France à 6h du mat' en plein hiver. Tu t'imagines Point de cousine à l'aéroport. Elle appelle. Personne ne répond. Peu importe, elle est à Paris. Donc, elle prend une chambre d'hôtel. Avec son petit argent qu'elle a économisé, tu vois, ses petites économies, bon. C'est des bruits. C'était ouais Donc, au bout d'un mois, bien sûr, plus d'économies, fin du visa de vacances, la descente aux enfers. Les problèmes commencent. <laughs> Entre-temps, elle y a retrouvé des amis, pas n'importe quel type d'amis, amis de calvaire. Ils l'hébergent dans une maison ou plutôt un trou à rats. Huit rats dans ce trou. <laughs> Surtout des chauds lapins. Ah Donc, tu t'imagines, ils ont commencé à lui faire des avances, elle a refusé, ils la jettent dehors. Il ne restait plus que le métro. De la commerçante, de commerçante à voisine à la chambre d'un SDF, là, entre la ligne 6 et 8. Elle, <laughs> elle me disait, je ne sais même plus, 13, j'en sais rien. Elle accumulait les petits boulots noirs. Ah ouais. C'est là que la cousine rabatteuse réapparaît. Ah, tiens, non Bien sûr. Bah, tu sais, on peut ranger par les remords. Elle dit, oh, je vais aller voir ma cousine maintenant. Bon, elle accueille chez elle, you know, mais bien sûr, bien sûr, pour faire sa boniche. Travail. Je pense que c'est ça qu'elle qu avait en tête depuis le début. Mm. Donc un matin, elle se fait contrôler par la police, bien okay. sûr. Quand elle emmène sa nièce au parc. Qu'est-ce qui se passe mmh. Psst, Tu t'imagineras jamais. De la porte devant. À brazza Tout frais payé. Madame a <laughs> été rapatriée. Mmh. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Donc là, je viens la récupérer. Elle dit qu'elle va reprendre son commerce. <laughs> la petite vient pertinente là. Elle est devenue bien sage. D'ailleurs, tu devrais retenter ta chance. Oh, bah, enfin, voyons. Mais quoi mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas le lieu pour ça. Allez, on oublie tout. On revient ici. Terminons notre émission, un peu comme nous l'avons commencé d'ailleurs, avec une note pas très gaie. J'en suis désolé. Nous allons parler de la perte d'un être cher. Je vais vous poser trois questions et je vais vous demander spontanément de répondre, savoir comment vous réagissez. Vous êtes prête Ok. Qu'est-ce qu'il faut dire à une personne qui vient de perdre un être cher? Au-delà de notre Yako. Euh... Je suis avec toi, ah. de tout cœur, On lui prenant les mains. Compassion, on la touche, je suis avec toi de tout cœur. Emma, vous partez à... Je lui dirais simplement que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Mm -hmm. Deuxième question, faut-il préparer son départ et comment? Bon départ, départ dans quel sens de Vers le-delà de l'autre côté. <laughs> je crois en ayant une vie euh, assez rangée, chose qui est difficile, mais je veux dire en essayant de donner de l'amour à notre prochain. Je crois que là encore, c'est encore plus, plus facile. Parce que comme nous ne sommes pas les saints, nous sommes loin de l'être, mais en essayant d'apporter quelque chose de plus à notre prochain, je crois que. Pour moi, c'est la plus belle chose à pouvoir laisser sur terre et avoir des avantages. Là-bas, et Là votre caution ici pour, pour avoir en donnant de l'amour à son prochain. Emma, ouais. comment on prépare son départ ouais. vers le delà Ça ne se prépare pas, mais le plus important c'est de vouloir faire la volonté de Dieu, qui n'est pas d'ailleurs très difficile et facile, pardon. Mais le plus important, c'est de, de donner ce que l'autre attend de toi, de faire ce que Dieu attend de toi. Et puis d'abord de, de voir l'autre comme, je ne sais pas si je peux dire, te voir en l'autre. C'est-à-dire ce que tu aimerais qu'on te fasse, de faire ça à ton entourage. Mmh. Dernière question, quelle attitude face à une personne qui vit ses derniers instants Ça doit être un moment... Déjà assez compliqué. Il faut d'abord euh, soi-même se retenir. Se retenir pour permettre à la personne qui est en train de passer de l'autre côté de le faire sans trop de peur. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode. Parce que ça dépend de la personne qui se trouve en face. Un être cher. Si c'est un être vraiment très, très cher, euh, je sais pas. Peut-être. Euh, parce que là, j'imagine comme ça. Euh, c'est difficile. difficile. Je reviendrai toujours à la même chose, d'attraper la main de l'autre. Parce que je veux dire, dans le contact physique, il y a tellement d'émotions. On n'a pas forcément besoin de parler. Dans le contact physique, attraper la main et puis se regarder. Ressentir les voilà. choses. Emma, pour vous, quelle attitude face à une personne qui vit ses derniers instants euh, L'attitude de tristesse. D'abord, ça doit se ressentir dans le regard. Parce vous avez là... parlé tout à l'heure des cadavres sur votre. Ah oui, oui, Vous avez vu des personnes qui partaient oui, comme ça devant vous Quelle était votre sont... attitude bon, D'abord, en premier, j'ai été choquée. d'abord. J'ai eu peur. Et après, je me suis maîtrisée. Bon, tout se passait dans, dans, dans le regard tout se passait dans ma manière de faire. Parce que, étant, étant stressée, tu, tu n'as pas où aller, tu ne sais pas où tu vas. Donc, dans l'immédiat, tu ne peux pas décider en même temps si tu dois crier ou fuir. Donc, là, il faut avoir la maîtrise de soi même pour pouvoir gérer l'émotion. Merci. C'est sur ces notes plutôt lugubres, j'en conviens, que notre émission se termine. C'est malheureusement des questions qu'il faut aborder sans détour. Vous pouvez continuer de commenter et de réagir sur notre page Facebook en suivant le hashtag Affaire de Femmes. Merci à nos invités d'avoir partagé avec nous leur vécu. Merci Emma. Merci à vous aussi Cynthia de nous avoir éclairés sur la véritable et les véritables causes de la migration clandestine. L'Afrique perd une partie de ses enfants dans la Méditerranée, des jeunes chers et précieux pour notre futur et notre continent. Nous espérons que la prise de conscience se fera. L'herbe n'est pas toujours meilleure chez le voisin. Nous sommes là où nous vivons, les propres artisans de notre bonheur. À bientôt.